C'est ça, les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh, on dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Bébé Camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non! Bébé Camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, allez les mécaniciens. Burk! Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Oh! Et... Oh! Ah! Attention, Jaune! On a cherché dans tout le garage. Et il n'y a aucune trace de la dent de Bébé Camion nulle part. Oh. Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de Bleu. Ah ah! Et voilà, Bébé Camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Gecko. Au revoir! Achou! Salut tout le monde! C'est Gecko! On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est Bébé Camion! Qu'est-ce qu'il y a, Bébé Camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolée, Bébé Camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, Bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, Bébé Camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact! Un kebab gratuit pour chaque client! Haha! C'est sûr, ça va me faire plus de clients! Allez, Eric! Ah, cuisine plus vite! Est-ce que quelque chose brûle? Oh! 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Oh! Non!
Mon beau barbecue, non! Fiona, le camion de pompier, il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Oh! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Oh! Je te tiens! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf! Bon travail, tout le monde! À très bientôt! Au revoir! Waouh! Bon boulot, les mécaniciens! Un garage propre est un garage heureux. Oh, c'est bizarre. On n'a plus d'électricité. Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires. Oh mince, la lumière du soleil est cachée. Mais ce n'est pas un nuage normal. Allons enquêter, les amis. Essaye maintenant, Dylan. Je ne comprends pas. Ton moteur devrait fonctionner correctement. J'ai suivi les instructions. Bonjour, Monsieur Weasel. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, Gecko. Je renonce. Laisse-moi regarder, Dylan. La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur, Dylan. Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde. Parfait. On va avoir besoin de l'aide du soleil. Et Dylan aussi. Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire. Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan. Dylan. Bon travail, Vert. Des clients propres sont des clients heureux. Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse. De nouveau au garage de Gecko. C'est une belle journée ensoleillée. Rouge, mets-toi en route vers le toit. Il va finir d'installer nos nouveaux panneaux solaires. Ils vont prendre l'énergie du soleil et la transformer en électricité propre pour tout le garage. Salut, Bobby. Wow! Regarde-toi! Tu es tout sale! Alors qu'on t'a nettoyé seulement hier! Ce n'est pas grave! Splish, splash, splosh! Activez le lave-auto de Gecko! Tout propre! Et prêt à reprendre la route, Bobby! Oh, tu es encore sale. Comment est-ce arrivé? Je crois qu'on va devoir te laver à la main. Lavage rapide. Tu peux reprendre ton trajet, Bobby. Donc ça qui te salissait.
Ton vieux moteur à essence sale. Et que dirais-tu d'un moteur électrique tout propre à la place? Est-ce que les panneaux solaires sont prêts? Les panneaux prennent leur énergie du soleil et donnent de l'alimentation à Bobby pour démarrer. On se retrouve bientôt pour plus d'amusement au garage de Gecko. Oh, salut tout le monde. Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune, ne touche pas ce bouton. Mécaniciens, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Je ne me sens pas très bien. Oh, mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Bien. Hein? C'était quoi ce bruit? Bon, je me sens mieux maintenant. Hein? On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde. Thank you.
vous avez l'air effrayants, les mécaniciens. Vous êtes tous prêts pour Halloween. Même Tilly se joint à la fête. Qu'est-ce qui se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Les monstres n'existent pas. Hello! Hello? Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière. Oh, mon cher Max, il te faut un nettoyage d'Halloween. On va te mettre dans la station de lavage. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas. Quand tu es prêt, Max. Voilà, Max. Tu ne fais plus peur maintenant. Joyeux Halloween à tous. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir, ici, au garage de Gecko. Oh, c'était une sacrée tempête. C'est bon de revoir le soleil. Oh là là. Venez, on va vous nettoyer dans notre station de lavage. Tu appelles ça du lavage de voiture? Tu ne fais pas le poids face au lave-auto Weasel. Je peux nettoyer n'importe quel véhicule mieux que toi. Tu es prêt à relever le défi, Gecko? Bien sûr, ça peut être amusant. Je propose que nous on prenne Fiona et que toi tu prennes Bobby. Oh. Prêts les mécaniciens? Prêts à commencer, Fiona? À vous, Monsieur Weasel. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance pour nettoyer cette boue. Entre, Bilby.
Plus de puissance, je pense. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller. Non, 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 espèce de machine stupide. Ne t'inquiète pas, Bobby. Viens ici et on fera de notre mieux pour te nettoyer. Propre et sec. Oh. Venez donc, Monsieur Weasel. On va vous sécher. Non, merci. Beau travail, les mécaniciens. Maintenant, tout le monde est beau et propre. Même Monsieur Weasel. Super costume d'Halloween, les mécaniciens. Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens. Je dois finir la vidange de bébé camion. Allez-y, je vous retrouverai. Farce ou friandise. Bah, vous n'aurez pas de bonbons à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolée, les mécaniciens. Attendez, qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah! C'est une bonne idée! Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas. Bien joué, bébé camion. Il a eu une sacrée peur d'Halloween. Joyeux Halloween. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener jaune sur le toit pour nous aider? Oh mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et jaune doivent avoir la colle. Vite, rouge, monte sur le toit. Oh, pauvre rouge. On va devoir monter sur le toit d'une autre manière.
Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens, on va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde! Fiona et moi avons l'air tout neuf. Bonjour tout le monde, c'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention Fiona, ne roule pas sur le sable mouillé. Vite, la marée monte. Oh. On va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert. Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé, Vert. Et joyeux anniversaire! Hurrah! Salut tout le monde! C'est Gecko! On a une belle journée ensoleillée, alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde! Ce sont les jumeaux, Barry et Carrie! Barry est tombé! Vite, les mécaniciens! On doit l'aider! Allez, allez! Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas, Barry! On va vite te sortir de là! Bleu! On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Oh. Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir! Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneus. Mais où est Max? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens. Ah,
et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, bleu et rouge. Chauffeur. Allez, viens, jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Burke. Oh. Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. Très bientôt. Au revoir. Bon travail, les mécaniciens. Nom d'un tournevis. On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez. C'est Max, le Monster Truck. Et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max. Bonjour, Molly. Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh, pas si vite. Oh. Oh, oh, des écrous et des boulons, j'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts, les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail, les mécaniciens. Tout le monde s'amuse enfin. Venez, les mécaniciens. Aujourd'hui, on a la visite de Fiona. Waouh! Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, monsieur Weasel. Je suis Gecko. Ah! Voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh. Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide.
Oh ciel, elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona, on va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein? Berk! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Allez, Bleu, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Ah! Ah! Oh! Ouf, on l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non! Hey. Oh! Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko! Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu? Ah, attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire adieu, fantôme. Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir!